Bonjour tout le monde, ici Gizmo64. Aujourd'hui, comme vous voyez, il est marqué Red Dead Online. C'est quoi ça, Red Dead Online? On va checker ça ensemble, les amis. C'est parti. Vous écoutez un Let's Play spécial consacré à Red Dead Online et sur la chaîne de Gizmo64. Allez, c'est parti, on commence maintenant. Ça va être excitant! Je suis excité! Oui! Ben non, on se calme, ouais! On va se calmer, ok? Ben oui, c'est une bêta, là! On va se calmer, là! On frappe comme Julien Chies et compagnie! On va se calmer, on va se poser, on va faire ça relax! Et on va découvrir, on va pas s'exciter pour une petite bêta, ça serait bêta, comme on dit. Oh là 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 là. Ah. J'espère que le perso il est moins lettre parce que honnêtement hier j'ai regardé un peu le live de Carol Quentin sur Red Dead Redemption, mais après ça quand c'était Julien Chies, c'était quand c'était le tour de Julien Chies qui faisait son live, il me disait non. J'ai pas regardé parce que déjà quand j'ai vu que le perso féminin était moche, je me suis dit la version du mec ça doit être pire. Ah bon, comment? N'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît et à liker la vidéo et à la partager, ça fait nu. Oh! Ah non! On va se faire une belle petite enflure! Ah! La version chinoise de John Wayne. On va l'appeler Gizmo. Gizmo. Gizmo caca. Non, on va enlever le U, ça va être Gizmo. Je vais l'appeler Gizmo, ouais. Ok. Tête. Non. Ah non. Non. Ben trop lettre. Sérieux. Non, mais quoi, ils ont juste ça. Il n'y a pas juste sa tête. Là, ses yeux, c'est épique, quoi. On va mettre mon âge. J'aurai bientôt 28 de toute façon. Je pense que j'ai 27-28. J'ai entre 27-28 ans, je suis né à 91. Ça me tente pas non plus de faire le calcul. On va prendre quelqu'un de lourd parce que moi je suis quelqu'un de assez balèze. Merci. It's a process, all right, but a necessary one. Bon. Oh là 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 là. Je me demande si on peut changer la forme de la mâchoire. Okay, then. On va le mettre neutre. Yep.
3. Non, je pense que j'ai quasiment un goût de changer de tête. Tu sais, qu'est-ce que ça donne? Sérieux? Ah, c'est. Non, mais c'est lettre. Aïe, j'imagine le gars qui arrive à son entrevue. Ouais, bonjour, je m'appelle Chris, je viens pour passer un CV. Non, mais sérieux, hein, on s'attend qu'ils ont pas. Ah, oh, c'est affreux. Ah, oh, je te dis, je pense qu'il y a même pas du monde qui a une gueule de même dans la vraie vie. Il y en a peut-être, check bay, mais en tout cas, c'est rare. Aïe! Ah, c'est une bêta, une chance que c'est une bêta. Là, tu as une face, genre Ah, là, tu as une face, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on pourra pas faire mieux que ça, je pense. À moins lui, mais non, lui, il a juste envoyé ses yeux, oublie ça. Je vais être lassé, je vais finir en cible idéale. Le monde, ils vont me tirer dessus. Hey, c'est le gars qui veut pas se faire frapper, qui veut pas se faire frapper dessus. Oublie ça, ça c'est vraiment une face de Jean Tétaclac. Non, ok, ça c'est bon. Non, mais insouciant, oublie ça. Ils ont trop la tête renfoncée. Là, c'est sûr, je me fais tirer dessus. Ah! Pas pire que la tête, j'aime bien la tête, ouais. Il y a de l'air de petits maudits. Mais bon, lui, il faut conduire avec la. Le live, ça va être sur ça, la création. Ben non, je rigole. Dirt. Ah. Et d'entrée, oublie ça. Bon, on va y mettre des deux. Le doré, il va prendre le doré. Cheveux maintenant. Ah, la partie que je préfère. Oubliez ça, j'ai rien dit. Non, mais taille, il y a le crâne ben trop haut. Non, mais sérieux, il y a le crâne ben trop haut. Mais pas moyen de baisser le crâne. Oh, mais taille, la tête ben trop haute.
Oh. Cheveux. Dis. Pas sûr, moi, que ça fasse le job, ça. Non. Ouais. Oh là 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 là, ça c'est vraiment moche. Non. Bon. Bon, on n'aura pas mieux que ça, par contre, ouais. Ouais. Tellement de choix. On va laisser cette tête-là. Bon. Bon. Curiosité faciale. Creuser. Large. Style de vie maintenant. Oh, un geste comme début. Ok, style de vie. Bon, marque sur la peau. Teinte.
peut-être deux. Tâche de rousseur, oh non. Pas besoin, grade de beauté. Ça, bouton. Sans bouton, cicatrice. Oh, là, ça vient intéressant. C'est quoi cette cicatrice-là? Oh, là, ça devient intéressant, les bros, les amis. Là, ça devient intéressant. Ouais. Bon.
Bon. Bon. Cheveux, maître. Et bon. Confirmé. Ouais. Ah. Il est badass, mon personnage. Ça a été pas mal dur d'en faire un avec les choix modèles, avec les choix lettres qu'il y avait. Non, mais sérieux, c'est horrible. Avec les choix de faf qu'il y a, non, mais c'est horrible. Ah, je me plaignais que les personnages de GTA Online sont élites. C'est pire, là, c'était vraiment. Oh, ça commence. C'est parti, je coupe le micro. Ouais, oui, j'en viens tantôt. On est à l'aile des sommes. Officer Benton, Kitchen's a staff. L'officier Parton. Oh, c'est mon perso. Il est badass. Il se maltraitait. En même temps. Non, c'est pas mon perso, ça. À moins que ça. Ah, ça, c'est mon perso. On doit monter là-dedans. Oh là 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 là, à l'époque, la prison, les prisons à l'époque, ça rigolait pas, mon ami. Oh non, ça rigolait pas. Oh. C'est parti, c'est parti. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, no mistake. You like to stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now, shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you, try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes.
Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look. You did it fantastically well. Mon perso, il est trop badass. Now, sir, how about you pick up these guns? Ouais, quand c'est rendu que je commence à vanter mon personnage, je crois que j'ai un problème. Ouais. Come along. Then you better get on this horse. Just get to grips with the beast. Then we'll ride. Let's just hope no one shows up. J'ai ma carabine pis tout. Oh, je vais avoir mon cheval. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisica Penitentiary. Awaiting bon. Hanging for a murder you did not commit. It must have felt a whole lot longer, my friend. Bon. You still seem strong, though. I mean, it doesn't look like breaking all those arms left you entirely broken. I hope I am right about that. Rounding you folks up. Those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that. Oh, pareil, puis c'est un cheval, et c'est le fun. Or maybe you just want to put it all behind you. Forget you were in there at all. That would be fine, of course. But you will listen to my mistress first. Spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience. You've been away for a while. Set up in the world. Then if you want to accept our offer, you can. He's just up here. There's the camp. It's your horse. Voilà le. Bon. Madam, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. Bubble. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Horley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Bon. Ah, tu me niaises! What the fuck? Ah, je mettrai pas de chapeau pour l'instant. Je vais m'en acheter un chapeau. Un gilet, maintenant, on va checker les gilets qu'il y a. On a pas chaud de faire avec.
Chemise pour tel cas. Botte. Pantalon. Bon. Bon. That looks more comfortable, Holly. Here, madam. Your very good health. C'est elle la chef du camp, si je comprends bien. And I intend to find out which one, or rather, I intend for you to find out and kill them. You're the only person I could possibly trust. Le gars, mon perso, il a la coupe de cheveux de Brendan Fraser. Ah, boy, quasiment la coupe de cheveux Brendan Fraser dans la momie, lol. Je savais, j'aurais dû le faire chauffe. Ah, pas grave. This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. LeClerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be. Non, des légumes. L'autre, tu lui dis, tiens, bouffe ça, et moi, je ferme ma gueule, puis je mange. Sérieux. Oh, c'est le fun. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. Ok, son mari il est mort, puis on doit découvrir qui l'a tué, ça doit être ça. Ok, je dois aller traquer jusqu'au dernier pour venger la mort de son mari. Un peu comme True Grit, qui est un excellent film. Je parle évidemment de la version de John Wayne. Le remake était pas mal aussi, mais la version de John Wayne est excellente. Ah! L'oncle! Mrs. LeClerc is a generous benefactor. And where are we headed? Sir, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Vieille carne. Mon cheval s'appelle Vieille carne. Ok.
Il va vite en maudit, en tout cas. Ouais, là, je pense que c'est un cheval temporaire, je crois. Au gel jusqu'à Benedict Point. Ok. Et j'espère que le micro, il y a une option pour le fermer parce que ça risque de devenir vite gossant, surtout si je commence à entendre les autres joueurs en plus. Mais là, c'est pas. Là, pour l'instant, je suis tout seul. Fait que, ouais, tranquille. C'est ça en fait le problème de la Grand Theft Auto Online, c'est quand les joueurs commençaient à avoir le vocal, c'est ça qui dérangeait. Ah ok, c'est le même, ouais. J'ai mis groupe uniquement au. Ouais. Vu que. des fois, ça qui causait problème dans Grand Theft Auto Online, quand quelqu'un savait pas comment jouer, puis jouait avec son micro, il y avait le micro d'activé. Une fois, j'ai entendu un gamin péter sa coche parce que tout le monde parler dans la session. Son frère a voulu lui faire une joke, il a dit que j'ai pas fermé le micro en choix avec le gamin, il a pété sa coche. Évé son affaire. Déjà en partant, j'aime mieux Red Dead Online que Grand Theft Auto Online déjà en partant. Ah, déjà en partant, c'est pas la même fonctionnalité. Hello. You must you must be a Jordan's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed all. That's me. Avec sa petite cicatrice de Al Capone. Real charming. Allez, dis qu'est-ce que t'as à dire. Là, tu le regardes, allez, dis qu'est-ce que t'as à dire. And they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. Chris, il parle plus que dans le solo. Dans le solo, il te pose le courrier, puis là, dans l'online, il compte ta vie. Il compte sa vie, ok. Oh, on a un catalogue. Oh. Oh, trop bien. Il nous a donné un catalogue. Je regarde mon live en même temps, puis ça suit pas vraiment. Bon appétit, quoi, on s'en fout de fou. Dis-moi pas qu'on va manger. Viens-t'en, cheval. Je sais pas comment l'appeler, fait que je l'appelle cheval. Faut vraiment je me trouve un chapeau de cowboy assez classe. Ah, puis je lance le message de même. Tous ceux qui ont Red Dead Redemption 2 online sur Xbox One, vous voulez faire un groupe, gênez-vous pas. Moi, c'est The Diver Man. Moi, ça me dérangerait pas de jouer avec d'autres personnes. Tant que les personnes jouent de façon adéquate aussi.
Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer puis s'insulter. Il y en a qui ont des délires assez bizarres. Je sais pas trop c'est quoi le plaisir de jouer avec du monde si c'est pour s'insulter, mais bon... Faut que je cherche le repère. Bon. Je dois trouver le repère. Je vais faire attention aussi pour pas me... Non, 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 non. Doucement, doucement. Oh non, je sens... Ah, doucement, c'est bien. Ah, si, j'ai failli me péter la gueule. J'ai failli me casser la gueule en cheval, là. Hey, qu'est-ce que t'as fait avec mon cheval? Je cherchais le repère. Ouais. Laisse-moi deviner, je vais être obligé d'y buter. Hey, what do you think you're doing here? Oh ouais, tu me lâches toi. Ok. Bon. Okay. You're good. You're real good, friend. Oh God, no. Here. Take this. It's a map. Just be kind. Don't kill me, please. Okay. Bon. Je vous fais deux trois vidéos ce week-end aussi, mais là c'est une petite aperçu découverte. On découvre ensemble le multi. Fait que cette vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude sûrement.
Mais devrait pas dépasser peut-être pas les 60 minutes, mais bon. Nous autres, les gamers, on a vraiment été gâtés ce mois-ci. Et Mark Myers gratuit sur Elder Scrolls Online. Une bêta de Red Dead Redemption Online. Battlefield en plus qu'on a eu gratos. Vraiment, c'est fou. Certes, la Xbox One n'a pas vraiment d'exclus vu que les jeux sont aussi sur PC, mais il y a un truc que certains joueurs semblent oublier, ça c'est vraiment maudit. Jail World n'est pas sur PC. Jail World 4 n'est pas sur PC, les trois premiers sont pas sur PC, puis juste le fait que la console est rétro-compatible, pour moi... Pour moi, oublie ça pour moi. Vraiment, Microsoft ont gagné la deuxième manche. Honnêtement, pas la première, on s'entend. Parce qu'avec la première manche, ça a été pas mal dur à cause de la console qui avait plein de problèmes et autres. Elle s'éteignait tout seul. S'allumait tout seul. Même mon chat pouvait l'ouvrir. En tout cas, c'était ridicule, mais bon. Et en plus, on a la communauté la moins toxique. Quand je dis moins toxique, c'est vraiment moins toxique. À chaque fois qu'il y a un problème sur Xbox, que ce soit hier, il y avait des problèmes hier sur Xbox pour la bêta, pour ceux qui ont acheté l'édition collector. Il disait une affaire du genre... Il y en a qui disaient des affaires du genre... une chance que je joue pas sur Xbox, des conneries comme ça, honnêtement, je trouve ça vraiment con. S'il fallait qu'on s'arrête puis on dit ça à chute d'une console juste parce qu'il y a des petits problèmes de service ou autre, ça venir pas. C'est rendu comme un baptême. C'est rendu que le monde sont obligés, se sentent obligés de dire des trucs de même pour se convaincre de ne pas avoir la console. C'est stupide, mais d'une façon vraiment... Je comprends vraiment pas. C'est ça qui est vraiment qui me freine d'acheter une PS4 aussi. C'est la moitié de la communauté. La moitié de la communauté sont autant les premiers à capoter, devenir fou quoi de la merde. Je vois qu'ils sont une exclusivité. Et sont toujours aussi les premiers à dire que Xbox c'est de la merde. Alors que. Avant, c'en était, mais à Star, depuis la One S, non. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve pas, parce que moi, j'attends. C'est sûr, si t'attends les exclusivités, oublie ça. Anyway, c'est stupide, je trouve, acheter une console pour des exclusivités, honnêtement.
c'est con, honnêtement, c'est stupide parce que... Mais bon. Mais bon, c'est des exclusivités, mais des exclusivités qu'on appelle des exclusivités Microsoft. Vu qu'ils sont sur PC, puis chose, mais bon... Mais ça, ils ont fait ça parce que ceux qui veulent pas acheter de Xbox One, au moins ils peuvent y jouer sur PC. Ben, faut, à condition d'avoir un PC de gamer, évidemment. Sinon, c'est pas mal dur, mais bon. Puis c'est ça, entre autres, que j'appelle la toxicité de. La toxicité dans le monde du gaming, c'est ça, c'est quand des membres d'une console rivale dit que l'autre console c'est de la merde, seulement parce que la personne est fermée d'esprit, elle a pas une assez large ouverture d'esprit, ou tout simplement parce qu'elle veut combler un manque de supériorité, pis c'est là que ça, c'est de là qu'est née la... La fausse petite guerre des consoles, qui dans le fond c'est pas une guerre, c'est... C'est juste que Microsoft veut se faire du cash aussi comme tout le monde, ben oui, je pense que le monde est assez large. Mais bon. Mais bon, sur ce, les amis, pour cette petite vidéo découverte, je vais quitter le matchmaking. Et je vous dis, prenez soin de vous et des gens qui vous aiment. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ainsi qu'un abonnement à ma chaîne. On est plus de 20 abonnés. Cet abonnement, ça fait toujours plaisir. Surtout si mon contenu vous plaît, évidemment. Ben oui, quand vous aimez pas, vous vous abonnez pas. C'est aussi simple que ça, mais bon, quand vous aimez pas, vous abonnez pas, c'est aussi simple que ça, personnellement, ce que je fais tout le temps, mais bon, il y en a des fois qui font pareil, ils s'abonnent alors qu'ils aiment pas le contenu, mais bon, ça, je comprends pas trop, mais bon, essayez pas de comprendre la logique. Et sur ce, les amis, je vous dis, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, partagez, likez, et tout le tralala habituel, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Cette semaine, il y aura d'autres vidéos, ce week-end aussi, sur Red Dead Redemption Online, du Red Dead t'en veux, non, voilà. Pour le week-end, là, je vous dis allez, ciao!